Voici quelques informations concernant le cercle. Un cercle, c'est l'ensemble des points qui se trouvent tous à la même distance d'un point donné. Ce point donné s'appelle le centre du cercle et cette distance donnée s'appelle le rayon du cercle. Tous les calculs concernant un cercle sont liés au nombre pi dont la valeur vaut à peu près 3,1416. On a utilisé comme symbole le pi, le p grec, parce que c'est l'initiale du mot grec périmétros qui veut dire périmètre. Le périmètre d'un cercle, ça c'est la longueur de cette circonférence. Et ce périmètre se calcule par 2 fois pi fois r. La grandeur du disque du cercle, c'est-à-dire la grandeur de cette surface jaune, se calcule par la formule r est égal à pi r carré. Donc l'aire d'un cercle se calcule par pi fois le carré du rayon. Le périmètre, c'est une longueur. Donc ça s'exprime en centimètres, par exemple. 2π n'a pas de dimension, 2π n'a pas d'unité. Mais r, bien, r c'est une longueur. Et 6,28 fois un nombre de centimètres, c'est bien un nombre de centimètres. Par contre, pour l'air, l'unité c'est, pi n'a pas d'unité, mais r bien, r c'est par exemple des centimètres. Au carré, ça fait des centimètres au carré. Si ces explications vous étaient utiles, alors vous pouvez toujours mettre un petit like à cette vidéo. Et si vous voulez apprendre plus concernant les mathématiques, vous pouvez toujours regarder sur mon canal YouTube et peut-être même l'abonner. Je me réjouis de chaque clic, de chaque like, ainsi que de chaque abonnement.